Nous sommes rendus il y a quelques minutes rencontrer le caporal, chef de la patrouille du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, qui a été agressé dans ces lieux. Nous lui avons apporté notre soutien. Et je peux vous dire qu'il va bien, puisqu'il va rejoindre ce soir son unité. Nous avons constaté aussi que son moral est tout à fait déterminé. Il y a eu une agression qui a été gérée par un emploi gradué de la force, puisque l'agresseur a le caporal a d'abord essayé de maîtriser l'agresseur, ça n'a pas été possible. Et lorsque l'agresseur est revenu en le blessant, il était indispensable d'ouvrir le feu. Je voulais dire un mot aussi pour les équipes du Louvre, qui se sont parfaitement articulées avec les forces de l'ordre pour assurer la protection du public, gérer des flux qui n'étaient pas faciles à gérer et remercier aussi le public pour sa compréhension. Le musée est resté fermé cet après-midi pour le sécuriser, il rouvrira demain.